Salut à toi, petit bonhomme. Et oui, aujourd'hui, c'est un stream spécial moustache. Moustache, chemise hawaïenne et hélicoptère. On va explorer un nouveau jeu, n'en déplaise à notre ami Tom. Et on va partir dans les années 1984. Quelle merveille, ces années 80. Pour se faire un petit viron en hélicoptère et non pas Ferrari, petit bonhomme. Et pour cela, on va explorer un jeu qui s'appelle Girodine. Hop, et oui, je sais, je mixe super bien le son, mais vous connaissez le principe de mes streams, c'est exceptionnellement et uniquement du live. Exceptionnellement étant un terme peu approprié, j'en conviens, puisque je l'ai glissé dans mon improvisation, comme d'habitude. Et trêve de conneries, il serait peut-être temps de montrer les gros pixels méchants de ce jeu et ce qu'il nous réserve. Où es-tu, mon ami? Oh, te voilà, Girodine 1984 par une boîte qui s'appelle Cruxco. Alors, je pense qu'on se trouve là devant un Xème clone de Raiden 1941 et compagnie. Est-il jouable? Eh ben, on va essayer de répondre à cette question tout de suite. Bon. Pourrais-tu avoir la bénéfique intention de me fournir quelques monnaies que ce soit, que je puisse l'insérer dans le monnayeur? Oh merde, vous êtes si bonne, merci. Tiouf, 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 tiouf. Donc on sent quand même la bonne programmation sur du gros Z80. Oh, c'est bizarre parce que le tir s'oriente du coup. Donc si je veux tirer droit, faut absolument pas que je me déplace. Ce jeu vous donne une impression d'être bourré d'emblée. Je le dis direct, hein, je spoil un peu, mais est-ce que j'ai un deuxième tir à part mes bombasses? Surtout pas. J'ai pas eu le temps d'essayer en fait. Je suis malhonnête sur ce coup-là. Yes, it's me. Je sens qu'on va pas avancer super loin dans ce jeu. Ah non, mais il n'y a aucun autre tir, les gars. Allô? Mais je fais comment pour les flinguer les trucs au sol là? Houston? Houston? Mon dieu, mais quel est ce jeu? Quel est ce jeu? Où il y a un tir, j'ai l'impression d'être parfaitement bourré, puisque ça passe tout à côté. Dès que je me déplace, il s'oriente. Je vais commencer par appeler l'infirmière par précaution. Non mais sérieux, je les flingue comment les trucs au sol? J'ai essayé tous les boutons, mais il y a une astuce là, c'est pas possible. On ne te met pas des ennemis au sol pour te laisser comme une merde. Bon, j'ai essayé tous les boutons, là vous avez entendu, ça fait clac clac clac. Ah! J'ai vu, vous avez bien vu, il y a un missile qui est parti. D'accord, j'ai le droit de tirer un missile toutes les demi-heures. Ah bah, fallait savoir ça. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Girodine, tu es très très mal barré. Alors, plutôt que de prendre un thème moustache pour ce stream, peut-être aurais-je dû inviter notre fameux ami qui a fait les années glorieuses de Marcus. Le capitaine. Je suis là, les gars. Alors, je vous ai apporté une bouteille de paf. Parce que là, on est bien loin de la classe rutilante d'une Ferrari, de cette demeure de luxe gardée par un majordome aux tendances anglaises. Oh putain, mais c'est quoi ce jeu? Sérieux. Ok. Il est peut-être intéressant que je le garde de côté en fait, et que je vous le stream un jour où je suis réellement bourré. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Et alors, la bombasse au sol qui part tous les 6 mois, voire même qui part en mode random. C'est quoi ce truc? Oh putain, j'aurais rarement autant rigolé. Il y avait des intentions apparemment, mais les programmeurs n'avaient pas trop suivi les cours d'ergonomie du moment. Et donc on se retrouve avec un jeu un poil imbitable. Et oui, le terme n'est pas exagéré, il est imbitable. Parce que... bah, voilà, on est loin de la classe américaine, les gars. Extra play start, mais fallait pas, je veux plus là. Tu sais quoi, ton jeu, il m'a donné envie d'arrêter. Étrangement. Et j'esquive, et j'esquive, et je fais que ça esquiver parce que j'ai un tir de merde. Des bonus inexistants. Oh purée, je sens qu'on va rigoler sur ce stream. Dis-moi pas qu'il y a un boss
Parce que j'en veux même pas de ton boss. Oula, oula! Je vais niquer un éléphant! Reviens, un éléphant! Damned 84. Donc on pourra pardonner les fautes de programmation à ce titre. Parce que oui, c'était le early gaming. Donc tout un univers qui se cherchait. Mais très franchement, le niveau équilibre du gameplay, c'est parfaitement résolu. Un boss? Is there any boss out there? Non, c'était juste. Je chargeais les quelques octets en mémoire supplémentaire, car je vous rappelle quand même qu'à l'époque, ces ROM, elles faisaient entre 12 et 32K. C'est-à-dire, remis en contexte, 12-32K. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous faites des fichiers texte hors Notepad de base, sans artifice supplémentaire. Les 32K, c'est quasiment un document Word dès que vous avez écrit Hello dedans. Puisqu'il y a les en-têtes et tout. Donc, vous voyez que dans 32K, on n'est pas obligé d'écrire les conneries de Word. On peut aussi mettre l'intégralité d'un jeu vidéo. Evie! Hop, hop, hop. Donc, le casse. La largeur de scroll, par contre, est super intéressante. Parce que je crois qu'on a quasiment deux écrans, si on prend la moitié qui est à droite, la moitié qui est à gauche. Oh, le bruitage. Non, faut pas que je parle des bruitages, sinon on va me dire que je fais exprès d'en rajouter. Pour se tailler un chemin là-dedans, c'est un point merdique. Hein. Puis alors, mon tir d'ivrogne n'arrange rien. Mais alors, absolument rien. Est-ce que j'ai un continue? Non? Extra play start, alors j'ai pas compris ça. Je suis en free mode ou quoi? Oh, les gars. C'est pas parce que j'ai un hélico qui rame un peu parce que Terry a la gueule de bois, petit bonhomme, que faut en profiter pour me balancer des collections de pruneaux absolument indécentes. Non, mais ce tir, j'arriverai jamais à faire à ce tir qui part en sucette. Il y a un petit côté pratique. Mais c'est 20% du truc. Les 80%, c'est tu vises à côté. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Il m'adore aussi d'ailleurs, je crois. Regardez-moi ça, il y a des taupes des mers. Non, je vais pas dire des sobins, on va dire des taupes des mers en tant qu'adopter un langage dédié à ce jeu tout particulièrement. Ouh, quelle expérience! Ça me rappelle une anecdote de. Oh ta gueule! Qu'est-ce qu'on fait? On se le redémarre? Est-ce que j'ai fait mes 5 minutes légales, j'observe. Oui, j'ai largement fait mes 5 minutes légales grâce à Tom. Eh ben mes petits bonhommes, on va dire que Girodine, ça n'est vraiment pas validé, quoi, parce que on n'est pas passé loin de la catastrophe, à vrai dire. La maniabilité n'est pas au rendez-vous. On va se remettre le screen de lancement, ce sera plus joli quand même. La maniabilité n'est donc pas au rendez-vous. L'idée complètement farfelue du tir qu'on oriente, ben, aurait pu être géniale. Mais là, elle est parfaitement à la rue. Hein. C'est le meilleur thème. Qu'est-ce que t'en penses, Tom? Moi, là, Thierry, je lui ai fait voir et il m'a dit, c'est complètement raté, c'est complètement minable. La simulation de l'hélicoptère n'a rien à voir avec la réalité. Et... Eh bien oui, tu as totalement raison, Tom. Donc, effectivement, on n'était pas dans un simulateur, mais on n'était pas dans un vrai shmup non plus, soyons honnêtes. Hein. Girodine, sur ce principe-là, n'est pas du tout validé. Il ira dans les fonds de coffres dans lesquels on archive les vieux shmups qu'on ne retouche qu'exceptionnellement pour faire voir ce qu'il fallait pas trop faire aux gens. Oui, on peut dire ça. Sur ce, je vous fais des bisous poilus et on se retrouve pour un prochain stream de shmup ou d'un tout autre jeu. C'est à voir. Ciao, ciao. À bientôt.